Doudou, ouvrez la porte là, c'est Dodo qui l'a. Ouvrez la porte là-bas, moi. Ouvrez la porte là-bas, moi. Ouvrez la porte là, pour nous faire ça, fait nous. Ouvrez la porte là, Fifi. Ouvrez la porte là, Doudou. Ouvrez la porte là, pour nous manger comme nous. Cuisinière là, pour t'aimanter moyen, moins porté. Bonjour mesdames, non c'est bonsoir mesdouze. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Attention, Didier s'en va, tant guerre, mion, tant mion, tant mion, tendre. Didier s'en va, tant guerre, pour défendre la citadelle. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quel honneur que vous nous faites l'honneur de venir ici ce matin, monsieur le maire. Là, et... ce soir. Oui, ce soir. Oui, ce soir, ce soir. Alors, mon madame, ce soir, nous avons reçu monsieur Didier Laguerre, le maire de la ville capitale, partie artistique, madame Jocelyne Quémin. Roselyne Quémin. Au piano, monsieur André Geneviève. À la guitare et chant, monsieur Charles Medouze et moi-même. Moi-même, Maurice Alcindor. Oui, oui, merci. Moi, vous faut dire comme ça. Alors, nous allons commencer par un premier morceau de musique, madame Quémin. Ça, nous que le dernier point fort de venir a dit toutes les semaines, nous n'avons pas vu dit ça aujourd'hui. Nous avons commencé par dire que en 1790, le premier mec qui passait était M. Louis de Grandmaison. De Grandmaison, en 1790, de 1790 à 1945, ni 34 mecs qui passaient. Nous pouvons dire toutes, puisque nous avons dit la dernière fois. Mais les gros mordants qui passaient, faute France, qui met Césaire, ils s'ouvraient. En 1956, Général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand. Ni Premier ministre qui vient, Édouard Balladur, Alain Juppé, Alain Messner et Pierre Mauroy. C'est le monde qui passe, mais pas grave. Bon, alors, finalement, le vif du sujet, qui côté les écoliers du lycée Chercheur, quand entrer? Ah, ben, d'après ça, maintenant, c'est l'élève du lycée Chercheur là, qui est entré entre Bellevue et puis Gaillard. Ces deux établissements-là, ils ont été regroupés là, c'est ça. Recteur a décidé, donc a priori c'est ça qui est fait, même si ça a soulevé un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes qu'il faut que nous régler, notamment des problèmes de sécurité. Ah bon? Ben oui. Bon, alors, ou savent ça bien, puisque tu travailles au lycée de Bellevue. Les mains de l'école lycée de Bellevue ou tu travailles au lycée de Bellevue, donc ou savent très bien comment il y a balayé. Moi, j'ai commencé au lycée Chercheur, et moi j'ai toujours dit que le lycée Chercheur c'était porté moins chance. À cause du lycée Chercheur, moi j'ai fait en croisure avec les élèves de 6e dans toute la France. Ah. Ça te dit que toi, moi. Maman. Oui, oui, oui. Et c'est le lycée Chercheur qui t'a voué, moi, comme animateur. Et moi, pas porté même titulé. Ah, ben, ça fait que t'es belle. Oui, ça fait moi t'es belle. C'est pour ça que le lycée Chercheur toujours porté moins chance. On est en bas, il n'a pas changé de où, soit Francisco,
il passait lycée Chalchet. Oui, parce que c'est enseigné lycée Chalchet. Oui, il enseignait lycée Chalchet. Ouais, et puis, il était qu'à enseigner, c'est sport, il était qu'à enseigner. Oui, sport, il était qu'à. Ou aussi qui passait lycée Chalchet. Il y a le monde qui passait lycée Chalchet en tant qu'enseignant, mais il y a le monde aussi qui passait lycée Chalchet en tant qu'élève. Lycée Chalchet, c'est une institution en Martinique, c'est une institution dans l'éducation et dans le modèle social martiniquais. Donc, c'est. Pour moi, c'est un élément patrimoine architectural, mais c'est aussi un élément fondation Martinique, nation Martinique. Donc, c'est un bail pour nous préserver. Il faut reconstruire, mais il faut maintenir cette structure pédagogique-là. Il faut faire en sorte qu'il garde toujours le même nom d'élèves-là pour que les ces travaux aient fini. Eh bien, nous vivons retrouver un lycée qui est belle, qui a embelli la ville-là et qui a continué à remplir le rôle éducation et Martinique. C'est un symbole Martinique. On ne peut pas construire un peuple, on ne peut pas construire un pays, et puis en rasant. Toute l'histoire, tout passé, parce qu'il y a des débats qui ont dérangé là-dedans. On peut prendre tout passé à quoi il y a, et puis on peut construire à partir de ça. Sinon, on peut couper racine, nous, et puis on peut faire un pied bois sans racine, puis boire à la paille de jambé, il est tombé. Premier coup de vent passé, il est tombé. Bon, moi, je vais poser une autre question, là. Cassera, cassera pas. Cassera le lycée? Mais pour y construire le lycée, il faut casser. Bon, on va casser. Donc, OK, obligé de casser. Maintenant, on y est parti. Qu'on connaît bien toute l'entrée, tout bâtiment provisoire, l'escalier, toute partie là, classée. Et donc, même si vous crasez, il faut reconstruire même manière hier. Donc, pour conserver façade lycée, alors qu'on est dans ces grandes villes dans le monde, Paris, ou qu'on est Toulouse, ou qu'on est Bordeaux, ou qu'on est ces grands lycées, lycée Fermat, lycée Montesquieu, toutes ces lycées-là, ou qu'on est façade-là, c'est façade historique-là. Alors qu'on a déplacé qu'on est dans la ville, ou qu'on est ces façades historiques-là qui montrent l'histoire de la ville-là. Là, au Paris, on regarde des façades qui nient 200, 300, 400 ans. Et puis, derrière, on nie des bâtiments et des locaux tout à fait modernes et puis toute la technologie. Mais on peut conserver le patrimoine-là parce que c'est ça qui trace passage l'homme, la société, dans l'histoire. Et ça, c'est fondamental que nous conserver pour nous continuer à construire en pays, en nation et puis en conscience. Parce que sans conscience, nous ne pouvons pas aller bien ce côté. Pour moi, tout comme ça, ce jour passé, là, il y a eu un Moi, je comprends que vous avez tout tête tout bandé. Il parle déjà comme qui dit, il y a un papier où il dit qu'il fait. Et comment on a dit ça, autorisation de construire bah, non, ben bah, là, c'est. Ben nous savons, ben nous savons. Ben là, c'est pour. Il y a un majeur qui est en si bémol. Ben nous savons. Moi, je vais dire simplement. Pour mettre ces élèves-là, qui est actuellement lycée Chalchet, pour mettre eux entre Bellevue et puis lycée technique, Joseph Gaillard, il faut ou construire des locaux. Pour construire des locaux, il faut faire une demande de permis de construire. Donc, la collectivité de Martinique, vous voyez, ben, l'Amérique de France, en permis de construire, en demande de permis de construire. Qu'on roule et puis moi, là, nous les construisons en caille, nous commandons un permis de construire. Donc, l'Amérique a instruit permis pour est-ce que ça a été fait conforme à la réglementation. C'est ça, nous l'avons fait pour l'instant. Mais pendant temps, il y a commencé à travailler. Vous ne pouvez pas demander moi l'autorisation construire et puis vous avez commencé à construire. Donc, moi, responsabilité, moi, c'est de dire attention. Vous demandez autorisation de construire, mais vous avez fait ces travaux-là, vous n'avez pas qu'à respecter la réglementation, il faut créer ça. Et puis c'est tout. Parce que derrière ça, on a des problèmes de sécurité. On a des problèmes de sécurité pour ces gens qui sont dans le lycée actuellement. Là, c'est Thomas là, qui a passé le bac là. Et qui a fait travaux en même temps. Donc, vous a créé une perturbation. Par exemple, là, vous a fait ces travaux-là, c'est là, ces gens pour regrouper Koyo, si la tête tremblée. Ou éliminer zone ta, puisque ou ka mette conteneur en l'air, ou ka mette grue en l'air, ou ka fait travaux. Donc si la tête tremblée là demain matin, ou ni des zones de regroupement, que ces élèves-là ne peuvent pas aller. Donc responsabilité, moi, c'est de dire attention, ça zone café a pas réglementé. Alors moi, je sais que oui, je vous écoute dans des mois, mais ça c'est le jeu politique. Pour dire comme ça, que vous n'avez pas besoin de permis de construire. Mais si vous n'avez pas besoin de permis de construire pour qu'ils soient commandés, si vous n'avez pas besoin d'autorisation pour faire là, pour qu'ils soient commandés, ou commandez une autorisation et vous n'avez pas attendre une réponse là. Donc il y a un bail qui n'est pas clair. Mais au-delà de tout ça, responsabilité moi, en tant que maire de France, c'est d'assurer et de garantir sécurité ces élèves-là. Parce que là, il y a plus de 4000 petits mamans qui sont allés à l'école là, allant tout stade de là. Configuration n'a pas changé de l'époque là où tu es là. Moi, mon lycée de Bellevue entre 81 et 84, c'est toujours la même configuration. C'est toujours en celle-là qui a fait le 11 stade de là. C'est toujours pas là où tu es rentré, c'est toujours pas là où tu es sorti, c'est toujours pas là où pompier qui est rentré, signant en accident, signant bah, en lycée. Et ça, j'ai arrivé. Que pompiers pas arrivé à entrer parce que la ni embouteillage, parce que la ni gros car qui essaie manœuvrer pour garer, etc. Et que la ria bloqué. On est en l'école maternelle et puis en l'école élémentaire à côté. Donc la ni en patchet moun, la ni plus moun qui a dans certaines communes martiniques. On est plus de 5000 moun qui a venu là tous les jours. On est des communes qui pas ni 5000 moun. Donc faut gérer sécurité baïta.
Et moi, j'ai écrit président de collectivité, recteur, préfère, pour dire tout ce monde qui est responsable de sécurité, en nous, à un moment donné, mettez quoi nous allons tout à plat, et ouais, qui manière nous a géré ça. Là, ni problème délinquance, là, ni problème raquette. Moun qui a venu raqueter cet imam, elle a pris un téléphone portable, etc. Là, ni problème circulation, et puis là, ni en population, allons tout lycée. Là, ni moun qui a été en tout, pointe de la Vierge, Texaco, etc. Faut gérer évacuation de l'eau. Que, ou qu'à vire mettre d'autres constructions, donc ou qu'à vire d'autres lots, il faut gérer ça pour que ces gens qui en bas pas inondés. Donc nous avons de vrais problèmes au-delà de décisions qui prend de mettre ces élèves-là là ou bien là. D'ailleurs, il faut gérer. Les décisions ont été prises depuis plusieurs mois, mais j'ai dit, nous pouvons gérer qui manière concrètement nous avons fait ça. Bon, une dernière question, puisque M. Mendes, une dernière question à poser. Oui, mais éclairer, juste éclairer ma lanterne, parce que c'est la collectivité qui est propriétaire, lycéen en principe. Oui. Et. Est-ce qu'en tant que propriétaire, donc terrien, il n'est pas propriétaire du terrain, parce que s'il faut qu'il mande la mairie un permis de construire, on l'en bat qui taille normalement. Oui. Donc mais c'est que terrien n'a pas taille. Non, mais quel que soit mon nom, que c'est en particulier, que c'est en association, que c'est en collectivité, que c'est l'État, que c'est la mairie lui-même, là où on les construit, on y a des règles, même si tu es assez temps. Ou ni des règles, ou ni à partir d'une certaine surface de construction, plus de 20 mètres carrés, ou qu'à demander en permis de construire. Même si tu es assez temps. Ah ouais, okay. Bon, l'autre question que je m'avais posée là, mais maternité à Fouche. Oui. Maternité Fouche. Oui. Qui ça a fait bien? Qui ça a fait café pour manger tout ensemble? Non, nous tout ensemble, mais chaque monde, comme tu as dit, à chaque monde, propriétaire Bailly. Qui ça a fait bien? Maternité à. Ancien région, Serge Letchimy, tu as décidé de faire un lycée pour accueillir ces mamans, lycée Chelcher là, pendant que Yoka a démoli et reconstruit le lycée, et puis de faire un internat d'excellence après, à la maternité. Nouveau collectivité territoriale a décidé que lui, il n'a pas fait ça, il retait ses travaux, et il décidait qu'il n'a pas qu'à voir le lycée Chelcher là, et qu'il voyait Bellevue et puis Gaïa. Ouais. Donc après, c'est lui qui est propriétaire des lieux, c'est Kaili, c'est Ali, ils savent qui c'est qui fait. Puis. Mais là encore, ce n'est pas parce que c'est temps, que c'est caillou, que pas une réglementation, que pas une des règles qui a appliqué Koyo, ou changer usage bâtiment, ou ni de nouveaux règles à appliquer. Il y a eu un permis, il y a eu un permis de construire pour faire un lycée, ou quand il décide de faire un autre bail, il faut adapter le permis de construire là. Même manière, ou ni des problématiques de sécurité, de stationnement, de circulation qui a posé Koyo, et ça, c'est responsabilité maire. Mais quand vous avez un seul exemple, vous avez songé ça bien, vous avez songé l'inondation qui fait de Vaison la Romaine. Oui. Vous avez songé ça. Vous avez pris permis de construire, vous avez demandé permis de construire, c'est vous qui demandez. Vous avez acheté terre, vous avez demandé permis de construire, puis vous avez construit terre, là, vous avez mis là. Les glous montés chez SKL et puis les gens qui sont qui vous allez voir? Vous allez voir, mais qui a eu permis de construire là, vous allez voir pour dire qui m'a autorisé les gens construire là. Mais c'est vous qui achetez terre, c'est vous qui demandez. Et c'est vous qui construit là. Mais derrière, c'est maire, une responsabilité maire, vous mettez en cause. Et pire, vu là, il y a construit là, mais a signé permis de construire là, mais ce n'est pas lui qui fait instruction. C'est l'État et la DEAL qui fait instruction. Mais c'est maire, il a mis devant la justice parce qu'il signe un permis pour autoriser ces moulins construire dans l'île arrière. Donc, derrière toutes ces bêtes-là, on a des problématiques de sécurité, c'est le plus important. Mettez ces moulins en sécurité, garantie sécurité, yo, et puis on a des problématiques de responsabilité. Théa, c'est tort, Kaela, c'est tort, mais c'est moi qui est responsable de ça qu'on a fait là, et de si il a respecté les règles de sécurité ou pas. Et après, c'est moi qui est venu ouais, pour demander moi, pour qui ça, moi qui t'a fait ça. Donc, faut, quelle que soit décision nous prenons, quelle que soit si vous avez pris une décision, mais il faut que vous fassiez là dans les règles pour garantir que tous ces gens qui sont là, 5000 personnes qui sont là, eh bien, ils sont en sécurité. Si la tête tremble, nous ne pouvons pas mettre des jours pour arriver et puis les pompiers, les services de secours, parce que la rue est bloquée, parce que le mi tombe dans les larrières, etc. Il faut assurer sécurité. Et au quotidien, il faut assurer sécurité ces petits moments-là pour que tous les jours, ou pas ni problème raquette, etc. Dans notre cas, songez, nous 2 ans, nous faisons l'eau intervention, nous mettons médiateurs spécialisés la ville de Fort-France, nous mettons police municipale, nous mettons police nationale, nous mettons caméra pour assurer sécurité ces petits moments-là avant tout stade Achille là. Et puis, boss et magasin qui m'ont pas fait publicité, bio, mais ces magasins que tout le monde en connaît là, qui bossent stade Achille là. Parce que ces petits moments-là, tu raquettes, ni un petit en gauche, et puis en fait ciseaux pour racheter un collier en l'air. Vraiment, de vous ça. Ni élection la municipale qui a ouvert dans combien de temps? Élection municipale, c'est en 2020. En 2020. Donc nous n'y encore un peu moins de 4 ans. On va dire 3 ans. Vous savez la citadelle très conviée. Très convoitée. Mais très convoitée. Toutes les citadelles toujours très convoitées. Ah, mais citadelles, alors mon père, il y a des noms qui circulent. Ah oui? Ah oui, j'ai fait ma petite enquête. Il y a des noms qui circulent. Il y a par exemple Francis.
Lui, c'est ce. Arrive, dis-moi, alors, tu as vu une trois ou quatre fois, il peut coûter un peu un long, hein, pour faire la fête. ou ni Yann, ni pas Yann, quand vini. Mais il faut que le premier soit d'accord, puisque il y a dans le même camp. Oui, mais il parle comme qui dirait. Et puis, ni Miguel aussi, aussi. Comme qui dit que Kaivini. Ah, pas... la citadelle est en jeu. Oui, toujours. Il parle même de Lise Kaivini. Ah, il faut qu'on fasse attention. Mais, tout ce monde a allé venir, mais c'est Fred qui décide qui m'a dit. Ah, il travaille, il travaille. Eh oui. Non, on va pas le râler, c'est tel râler. Mais tout ce monde a eu en bas l'option, c'est le monde. C'est ça, mon nom, Fred. Ah bon? C'est ça, c'est Fred qui va décider. Peut-être qu'il est fini aussi, ou pas ça. Et il peut... Attends, pas mon petit banou, il peut être le Chikavi, oui. Aussi, vous savez, là, nous, à Stata, tout le monde peut venir. Tout le monde a dit que tout le monde a venir. Mais ce qui est important, c'est là, nous, qui arrivé au moment où il fallait chaque monde qui déclare quoi, nous, que, ouais, qui est qui a venir, qui est qui pas venir. Moi, je n'ai pas de problème. Et puis ça, c'est le jeu normal. C'est le jeu normal de la démocratie que nous venons, qu'on y a un débat qui est sur l'école. Est-ce que tu reviens? Nous, que, ouais, ça, les la fin de mandat qui est arrivé. Pour l'instant, moi, je suis à travailler. Préoccupation, moi, ce n'est pas de savoir comment qu'il vire. Préoccupation, moi, c'est de faire en sorte que la ville Fort France allait mieux. De faire en sorte que la ville Fort France redresse quoi. De faire en sorte que, ouais, que manière est belle, ouais, que manière a évolué. Mais faire en sorte que ça continue, que nous venons, que ces magasins ont fonctionné, que ces gens-là vivent bien et puis heureux, Fort France. Après, nous, regarder pour destin personnellement, pas ni importance au regard de destin. La ville, ouais, tout à l'heure, où tu es capable de mais qui passait Fort France. Ou qu'à bien, ouais, que c'est pas. Nous, l'un qui est important, c'est l'évolution de ville-là. Fait en sorte que Fort France toujours été la capitale de la Martinique, le moteur du développement de la Martinique. Il paraît même que Sainte-Marie a vu une. Mais Sainte-Marie peut quitter Kaili pour venir là quand même. Vous savez qui est Sainte-Marie, enfin. Moi, je dis non à l'envers. Vous savez, il faut faire... Non, alors, mais c'est toujours même bail là. C'est toujours même bail là. Il peut quitter Kaili. Alors, si vous prenez à l'envers, ou le point pas là, ou le point pas là, il peut quitter Kaili pour venir alors, là. On t'écoute, quand tu as pas profité là. On t'écoute la musique. On t'écoute la musique. Soleil, Martinique est toujours en soleil. Alors, c'est juste à Nian d'affaire, bah, il a couru là, il a dit comme ça, c'est le chic qui voyait, il a dit c'est bon, pépé, mais on a fait recours. Ah. Vous entendez parler du baïta? Oui, vous entendez parler de ça, on a fait recours. On s'est dit, il y a des gens qui font recours, tiens, bah, on a. Bah, nous ça bien, bah, nous ça bien. Moi, je vais venir là, c'est pour les auditeurs
de Zouk TV, ça ne va pas s'en payer. Ben, vous savez, là, on a une élection, on y a des règles. Oui. Quand on a sous code de la route là, à sous la route, on y a des règles. Lorsqu'on a fait une élection, on y a des règles, ou pas ni droit, ni des financements de structures, de sociétés, d'associations, de bail comme ça. Songez ça qui est arrivé, et Mel en montant à. En 2002, il a été gagné l'élection législative là, et puis qu'il a annulé l'élection parce que en association, tu es financé compagnie. Donc, on y a des règles. Et chaque monde, chaque citoyen, ni doit contester et ni doit dire, manque à considérer que ces règles-là n'ont pas respecté pour telle, telle, telle et telle raison. Et donc, il a posé un recours devant l'élection, pour l'élection, devant juge élection, et ce juge-là qui a analysé pour elle, est-ce que c'est qu'il a reproché à. Vrai ou pas, si ça est reproché à vrai, mais qu'il a pris une décision, délai cadeau, ce n'est pas un problème, ça n'a pas grave, ça n'a pas changé rien, ou les jeunesses, et puis délai cadeau, ah non, là par contre, ça, ou pas, il doit faire ça, mais pas d'accord, et il a cassé l'élection. Songez que il a été cassé l'élection. Nous pas ni mémoire en pays, hein. Élection régionale, première élection régionale, il a cassé, hein. Il a refait. Vous avez songé ça. Eh bien, parce que les règles n'ont pas été respectées. Eh bien, là aussi, ni un citoyen, proche du Parti progressiste martiniquais, qui. Contester l'élection, qui conteste un certain nombre de bagailles à dans l'élection et qui fait un recours, c'est droit. Tout le monde, non, manque à signaler simplement, parce que manque à tout le monde qui a parlé, dit ça, qui a vrai la boue, qui a fait un loba et visa, mais ni deux ans, manque à pas les bords là, m'a allé aux élections, m'a gagné l'élection, yo mette moi mais le 29 mars 2014, et m'a reçu un petit papier tribunal administratif pour dire moi comme ça. Qu'il y a un monde qui fait un recours contre l'élection, qui reproche ça, 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 et qui m'a demandé compte. Et il m'a répondu. Et le tribunal administratif l'a prononcé quoi, et il dit qu'il n'y a pas rien à reprocher moins, qu'il y a validé l'élection. Donc c'est des bails qui a fait. Et si bon pour soi, il bon pour Kana aussi. Alors, laissez témoin qui allait aux élections. Ou tu as parlé tout à l'heure, ou tu as dit, moi, peut-être qu'il semblerait qu'il est venu en 2020. Mais laissez témoin, il pose des recours au lit, hein. Il pose des recours au tribunal administratif, il fait toute une série d'observations, de revendications, et le tribunal administratif là prononce quand même. Et il dit non, pas ni problème à l'élection, et il valide l'élection. Mais ça qui est en André Le Sieur, il a annulé l'élection. C'est même Moun qui a dit comme ça, ah ouais, il a fait recours contre Marie-Jeanne, mais il a annulé l'élection André Le Sieur, Rivière-Salé. Élection 2008 là, il a annulé l'élection André Le Sieur, Rivière-Salé, et puis il a fait, il vire gain. Mais oui, mais il y a un bail qui a. C'est le jeu normal de la démocratie. Je dis comme ça, c'est les autres qui cavrent tout ça. Mais même si c'est nous qui cavrent, qui problème, qui problème, qui problème qui n'y a ça. Fond problème là, c'est est-ce que chaque monde respecte les règles là. C'est ça qui est important. Et si ça il trouve normal et naturel et personne pas fait, moi-même trouver ça normal, que lui opposer recours contre l'élection moins et que m'en y a justifié comme moi d'un certain nombre de bagailles. Moi, je trouve ça normal, m'en prends un avocat, m'en justifie comme moi, m'en défendre comme moi devant le tribunal là. Et le tribunal a dit, pas ni problème à l'élection. Élection, monsieur Laguerre, mais Faute France, validé. Il n'a pas trouvé ça bizarre, il n'a pas avoué la boue, personne n'a pas avoué qu'il montait parce que il mettait en cause l'élection moins devant le tribunal. Personne n'a pas avoué qu'il montait parce que le mime, il mettait en cause l'élection André Le Sieur, Rivière Salée, et qu'il a cassé l'élection. Tout le monde a trouvé ça normal. Pour qui ça? Laisser Alfred Marie-Jeanne, président de la collectivité territoriale de Martinique, nous ne pouvons pas appliquer ces mêmes règles-là. Ça voudrait dire que nous, ni des municipiens qui sont au-dessus de la loi, mais c'est la première marche vers la perte de démocratie et l'instauration d'un régime autoritaire. À partir du moment où on mettait un monde au-dessus de la loi et au-dessus de tout le monde, ça y a qu'à faire, on ne doit contester, eh bien, ou quitter la démocratie, hein. Donc, c'est normal qu'il n'y ait des gens, y compris proches du PPM, qui déposent un recours, s'il y a considéré qu'il n'y a des bails qui n'ont pas été faits dans l'élection. La question que je posée, c'est que est-ce que n'importe qui citoyen ou bien est-ce que c'est des politiques? Non, n'importe. Et c'est ça qui vient dans le système démocratique français. N'importe qui citoyen peut déposer un recours, ni en l'autre, ni tenir un recours qui était déposé contre Serge Timi. Parce que nous avons toujours qu'à gagner dans ce sens. Ni en recours qu'il a déposé contre Serge Timi, parce qu'il a dit que l'ISLI n'a pas respecté la parité stricte, que ce n'est pas un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, qu'il a été fait par bloc, et qu'il n'a pas respecté le principe de la parité, et ni en recours qui fait contre Serge Timi. Personne n'a pas trouvé ça, personne n'a pas dit comme ça, que ce n'est pas normal qu'il n'y ait un recours qui fait contre Serge Timi. C'est un citoyen. N'importe qui citoyen, ni le droit de contester l'égalité en élection.
Bon. Et c'est ça qui est bien dans le système démocratique. Là. C'est qu'on n'a pas besoin d'être impliqué en politique, on n'a pas besoin d'être un politicien, ni un élu, pour contester la régularité. Et donc, ça a garanti nous que nous avons la possibilité d'exprimer comme nous, et ça a garanti nous que les choses qu'on a faites dans les règles. Je veux signaler que là, nous arrivons à la région en 2010, ils ont menacé nous à plusieurs reprises de déposer des recours au tribunal administratif contre des décisions que le conseil régional était capable. Et personne n'a trouvé ça choquant. Donc, pour qui ça? Il est bon pour nous et il est pas bon pour vous. Il est bon pour tout le monde. Non, si il est bon, il est bon pour tout le monde. Non, si il est pas bon, il est pas bon pour personne. C'est ça qui est l'égalité. Bon, maman, là, demain et dimanche, c'est la fête des pères. Alors, nous, quand il y a la fête là pour les super papas musiciens qui sont morts, non, les musiciens, ils ont toujours oublié. Alors, nous, ni Barrel Copette, nous, ni Ira Copette sans Malazapati, nous, ni Honoré Copette. Nous ni Roussi Turenne, Loulou Bois-la-Ville, Alexandre Nestoré, Jean Nestoré, Roussi Turenne, et Sully Londas, Jean Balus, Maurice Marton, M. Renia, Geno Exili, Nomel, le grand Nomel, Marcel Chantelli, Garcin Chantalou, Mère Kiled, Marcel Ravenet qui était toujours à Zouk TV, et puis Gouzin, oui. Auteur-compositeur. Il partit aussi Moustin. Et puis, Albert Buval. Alors, sans Maïta, nous, même si on parle, nous avons un petit applaud. Bon, alors, comme... Tu as oublié M. Donatien. Oui, Fernand, excuse-moi, mon cher. Fernand Donatien. Non, mais pas oublié. Aussi. Bon, alors, comme première Francisco fois... Francisco aussi. Francisco, oui, on l'a oublié. Ah, ni tellement. Émilien Antil. Oh. Bon, alors, comme vous toujours aimez Bob Marley. Oui. Bon, nous avons vu en l'eau. Nous avons vu en pas M. Limet. Nous avons d'autres questions pour nous poser. Mais pas du problème. Alors, peut-être, moi, pas qu'il n'y a nous avons posé tout ça, répondre sans réfléchir. Ou quand descendre la rue Saint-Louis, flop, ou quand devant un sac plein là, on va prendre ça, on va faire pire. On va voter l'homme, il y a. Attention. Ça qu'a passé à dans grand ciel là, mon vieux Bob, mon vieux Marle, dis-moi comment où y est, mon vieux Bob, mon vieux Marle, bah moi nouvelle, sa musique a toujours l'en mode. Joué par tous les frères dans le monde entier pour les Rasta où c'est bon Dieu pour yo. Mon vieux Bob, mon vieux Marle, dis-moi comment où y est. Mon vieux Bob, mon vieux Marle, bah moi non. C'est l'acier à d'un grand ciel bléa. Et puis Bob Marley. Zot qu'a fait danser les anges Rasta. Applaudis par le gars. Ah ah. Mon vieux Bob. Mon vieux Marley. Dis-moi comment vous y est. Mon vieux Bob. Mon c'est l'acier et Bob Marley, zot pas besoin de paix, parce que la relève est assurée par le jeune Sahel. Et
Rouma, oh yeah. Hey, mon vieux Bob, mon vieux Marle, bah moi nouvelle. Récitatif. Albert ici, Bob Marle, et c'est la sieu. Yo tout réuni. Regarde quand il tombe en ciel bleu. Ciel la caille crevée. Eh, 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 eh. Mon vieux Bob, mon vieux Marle, dis-moi comment vous y est. Eh, mon vieux Bob, mon vieux Marle, dame nouvelle, dame nouvelle. Ba mwen nouvèl ou, ba mwen nouvèl ou. Bon, les cadeaux là même, les cadeaux là même, pour nous pas, puisque nous n'avons pas de temps. Alors, monsieur le maire, monsieur De Fontis vous offre et deux CD, il est 28 rue Isambert, Fort-de-France. Monsieur De Fontis, le roi de la bicyclette. Merci beaucoup. Ben, bon, monsieur... Il faudra que je vois monsieur De Fontis en personne, alors. Ouais. Mais oui, monsieur Vincent de La Fontaine, vous offre un recueil de composition musicale, texte et partition. Vincent Osier Lafontaine. Pas t'es venu pour ça. Ça, ça c'est mon pour déplacement. Tout un ibaï pour te faire. Je dis à Ovini dans le micro rouge. Alors, il paraît, faut pas me montrer ça. Où est-ce que vous parlez? Moi. Où est-ce que vous parlez? Mais c'est la petite marquette de Debrouillon. C'est une petite marquette de la famille. Vous commencez tout petit à présent, bah, vous marchez très bien. Vous connaissez vous, enfin. Ouais, vous allez faire commission là. Moi, j'allais faire commission là. Moi, j'étais avant Adam. Il était en bas, Adam Batouya, Kasséa. Le Chimi fait installer Adam en construction modulaire. Oui, le permis de construire. Pour continuer l'activité. Il n'y a pas ni longtemps monté là. Et puis, un camarade à moi d'ailleurs, qui fait l'étude de l'EPIME, qui a accompagné dans la gestion structure là. Oui. Alors, où est-ce que vous parlez? Il faut que vous remerciez. Oui, mon gars. Où est-ce que vous moi, moi, pas du bon. Oui. Alors, ça, c'est le petit market de Debrouillon. Merci au petit market de Debrouillon. Et attention, blessé. C'est aussi un cas qui vous offre un petit gâteau, monsieur le maire, pour la fête des pères. Aussi un cas. Et c'est là, monsieur, mes CZ qui a acheté baguette tous les dimanches matin. Où ça, qui m'a mangé hier? Merci aussi un cas. Ah. Et chauffeur là, et qui n'est encore là. Cocody. Hein? Cocody? Non. Il est assez costaud. Qui laisse? Ancien chauffeur, lui, c'est Albici. Mémé. Albici? Lui, c'est Albici, mon jeune. Yeah. Jeune est là? Oui. Aussi en cas? Oui, il était là. Tout près Bocaillou? Tout près Bocaillou. Ah, c'est pas là où on va arrêter? Oui, c'est là où on va arrêter. Moi, la vigne blanche. Moi, ça vous trouvez? Justement parce que vous faites bon bail là-bas. Nous pouvons finir. Oui, moi ça. Nous pouvons finir, mais nous pouvons finir. Votre cas est fini. Nous pouvons finir, nous pouvons régler le problème d'inondation dans le secteur. Oui, ah oui, parce que quand même, les lapins ont tombé. Les lapins ont tombé, nous n'avons pas de problème. Mais nous n'avons pas de problème à plusieurs côtés. Il faut faire ça. Mais pas oublier, ça. Parce que nous ne savons pas, surtout oublier, nous n'avons pas barré Balata. Nous savons ça. Vous n'avez pas besoin de barrer, nous n'avons pas de travail. Ça, et nous là. Actuellement, nous là, qui travaillons. Toujours, vous êtes là, toujours. Vous êtes là pour encore 4 ans. Malgré les boucles qui sont citées là. Bon, madame, qui est-ce que mon cas, je vous donne. Avant, vous jouez musique là, je voulais remercier toutes ces montagnes. Oui. Au fameux des présents pour la fête des pères. Et moi, qui ai passé personnellement, ouais, chaque monde là, pour remercier personnellement de ces présents-là. Alors, madame Kemen, qui est encore, qui instrument encore pour vous dire. La trompette. La trompette. Où sont madame de Rodegam?
la fête des pères, nous allons saluer M. Marie-Jeanne, puisqu'il est notre papa. Nous allons saluer. Toi, tu m'en mailles. M. Marie-Jeanne, ni toi, tu m'en mailles. Oui, mon père, il mettait toutes les affaires de roi, mais. Mais ni toi, tu m'en mailles. Nous allons saluer. M'en fait tout le monde, et puis certains. Nous allons saluer M. Marie-Jeanne, enfin tous les papas politiques, M. Lachimi, même préféa. Et M. Limé, papa. Hein? Oui. Ou papa? Eh bien, M. Limé, papa. Toi, tu m'en mailles. Ou ni toi, tu m'en mailles. Oui. Oui, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Ah, il n'y a pas de travail, mais ni toi, plus grand, ni 18 ans. Ah, on commence à. Oui, on peut dire non, ça c'est comme ça. Non, c'est un peu jeune. Mon gouvernement, c'est normalement. Mon gouvernement, c'est la moitié peu. Ouais. Mais en tout cas, nous avons papa, madame qui a travaillé puis nous ici à M. Saint-Louis et Mont-Louis, M. Mont-Louis. Nous avons dit bonne fête, papa. Et puis, nous avons dit papa, pièce, M. Jean-Écanville. Bonne nouvelle, lien. Eh bien, eh bien. Faites notre temps, oui. Non, nous n'avons pas ni longtemps. Nous n'avons pas dans toute période. Vous savez, M. Jean-Écanville de Kamaïmoun. Moi, ça, M. Jean-Écanville de Kamaïmoun. Et là, et bijoux, il était qu'à déplacer quoi et tout partout. Là, M. Jean-Écanville, c'est maillot, ou pas des cas divorcés. Qui est-ce qu'il y a Kamaïmoun, c'est où ? Ah, on est plus élu Kamaïmoun, maman Kamaïmoun. Madame Kokon Kamaïmoun aussi. Oui, mon Kokon Kamaïmoun, on est plus adjoint qui Kamaïmoun, on est des conseillers municipaux qui désignent pour ça, qui Kamaïmoun régulièrement toute la semaine. Tout le monde Kamaï, tout le monde. Oui. C'est comme à l'église, tout le monde Kamaï. Non, 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 c'est pas tout le monde Kamaï, tout le monde. Ou ni un certain nombre d'élus qui désignaient tous ces adjoints en Kamaïe et ou ni un certain nombre de conseillers municipaux qui désignaient pour Maïe et yo Kamaïe ça qui les Maïe l'homme il faut France. Bon, ni combien de temps vous mettez, M. Limé? Deux ans. Deux, ah, autant ça, je ne mets toujours. Oui, oui, oui. Ouais, oui. C'est un bel petit problème. Hein. Mais c'est, plus tard, c'est même côté au café. Et puis moi, mon chéri, même côté. Tu n'as pas vu, hein? Hier, tu es à Saint-Ville. Pas ni longtemps, bon temps là. Hier, mon doux. Ah, mais c'est à moi. Attention, ma paca, il s'ouvre, M. Limé, bien le chien. Mais, ou pas, mais moustache. Non, ah non, moi, dit taille ça, moi, dit ça. Moi, dit c'est le sauveur qu'il a. Moi, dit, pas mais ça, c'est le joker, ok, là. Alors, le dit des mots, monsieur. Il y a un type, un papa célèbre, qui a perdu sa fille, un policier en métropole, qui était le bon collègue de ma fille. De ta fille, oui. C'est lui qui a été le policier, et sa femme qui a été assassinée, c'était le collègue. Bon, monsieur, je te cherche ça, monsieur. Donc, oui. Papa, à 3 ans. Alors, moi, quand il veut commencer. Mes filles, vous ne connaissez plus. Collègue. Collègue. Ami ou. On va commencer par. Oui, nous bon. On va commencer par. Non, c'est la terminée, oui. Oui, bonjour, bonne fête à tous les papas. Moi, je suis dit papa, moi, toute famille, tout ça, dit papa. Et puis, nous, quand vous voyez, une chanson pour les papas. Mais comme pas ni en pile chanson pour les papas. Pas ni en pile. Pas ni en pile. Donc, moi, je trappe un homme qui a essayé sans les papas martiniquais. Alors, les papas martiniquais, enfin. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel scandale si maman savait ça. À Trinidad, tout là-bas aux Antilles, à Trinidad. N'était toujours pas marié. Un jour il trouva la fille qu'il voulait. Il dit à son père, je voudrais l'épouser. Son père se dit, enfant, maman tu ne peux pas, car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Son père, devine ce que j'ai vu dans la plantation. On vient d'embaucher plus de 50 filles du village d'à côté. Hélas, mon pauvre enfant, les dieux sont contre toi. Toutes ces filles sont tes sœurs et ta mère ne le sait pas. Oh, papa.
patience, il s'en fut écœuré. Raconter à sa mère toute la vérité. La mère se mit à rire et lui dit, t'en fais pas, ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. Oh, maman, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. Oh, maman, quel scandale si papa savait ça. Alors, nous pouvons profitez-vous et en bonne fête papa pour le papa de le petit Guillaume qui est venu jouer ton petit pino. Oui, oui. Alors, nous avons dit papa, bonne fête. Et puis, qui prend un pile d'itin en maïtard. Et à M. Maurice Boucher aussi, ça c'est l'élève Maurice Boucher. Oui. Et puis, nous avons un bel bonjour. Papa, bonne fête papa pour tous les papas à Saint-Dor, mes enfants. Mm-hmm. Tous les papas à Saint-Dor. Tous les papas. Et, oui, c'est les papas à Saint-Dor. Et François, mon votre France. Oui, oui. Tous les papas, tous les papas. Tous tes enfants qui sont papas. Tous mes enfants, qui sont papas. Et sans oublier M. Hilaire. M. Hilaire de Tivoli, il t'y m'a cassé ce jour-là. Donc, il dit là, Québec, ça va venir, ça va venir. Pour toute la famille, mon ravi. Oui, oui. Bonne fête pour toute la famille. Ni instrument pour pas jouer là, c'est Hilaire. On a tout fait. Hein? On a tout fait. Tout un semaine a passé. Alors, bah, nous, on est sur le piano. Avant ça, je me souhaite une bonne fête bah, tous les papas de la Martinique. Nous terminons, on va chanter. Non, vous savez bien, on va chanter. Si on chante, la blague est tombée, on dit dans ce studio. Mais je me souhaite une bonne fête bah, tous les papas de la Martinique, que vous avez fait politique ou pas. Être papa, c'est un choix, c'est une responsabilité. Je me souhaite tous les papas bonne fête, y compris ça qui n'est pas papa, mais qui a joué le rôle de papa. Et je me souhaite en particulier souhaiter les papas fouillalais. En bonne fête et encore plus particulièrement les papas qui travaillent dans la Mairie de France. Parce que dans la Mairie de France, on y a un lot papa qui a goumé et qui a travaillé et qui a fait un super travail dans la mairie. Et je les souhaite aussi en bonne fête. Alors, je voudrais vous en bonne fête, un bon anniversaire pour Mme Kizamo parce qu'il est le 18 juin, c'est Mme et Maman Plaisir. Mm-hmm. Alors, je dis madame, comme il peut aller au ciel, au canton, nous avons dit. Pas longtemps il est parti. Oui, pas longtemps il est parti. Il est le même jour de l'appel du général de Gaulle. Mm-hmm. Français, on n'avait pas perdu, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Alors, je dis, tous les mots plaisir. Et Kéberen, vous savez pourquoi madame m'a souhaité ça, c'est celle grosse mordante qui a téléphoné le jour anniversaire, moi, le 17. Alors, monsieur Assendor. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Madame et maman, plaisir. Une grande dame. Une majesté dame. Un bidim, madame. Alors, le mot de la fin, nous prenons un dernier morceau là. Le mot de la fin. Un dernier morceau. Oui, mais monsieur Limier a dit le mot de la fin, c'est bon. Ben, le mot de la fin, je les remercie les autres d'inviter moi à dans l'émission. Mais c'est un honneur pour nous. Hein. Non, l'honneur c'est pour moi. L'honneur c'est pour moi d'être ici, d'avoir de la musique en direct, d'être dans une émission où on peut parler de sujets sérieux et en même temps rigoler, c'est très important. Et je veux à nouveau souhaiter une bonne fête à tous les papas de la Martinique, à tous ceux qui jouent le rôle de père et qui s'occupent de leurs enfants. Et puis dire que finalement, la morale de l'histoire de sa chanson, c'est que le fils est sauvé. Très bien. Pour terminer, allez-y, madame. Samedi prochain, nous avons un super gros mot pour terminer la saison. Peut-être nous que là, à l'entrée, nous pourquoi ça. Envoyez. Et vous parlez de ce bouclant qui a travaillé avec nous. Eh bien, ce bouclant qui a travaillé avec nous, c'est Yannick et Pierre V, mais on t'a dit ça tout à l'heure, moi, comment pas ça. Mais faut pas. Yannick et Pierre V, nous. Et bonne fête aussi à eux, aussi au papa. Ah oui, et bonne fête à chef là. Oui, Mano Granier. Monsieur Mano Granier. Oui, on trouvait venir gros ce jour-là, tout le monde. Bonne fête à Saki. Kay papa bientôt. Oui. Tu peux peut-être même savoir que tu es papa.
Bonne fête pour toutes les papas qui mangent tout partout, mais ils n'ont pas qu'à reconnaître. Non, t'as un mot, par contre. Il faut qu'ils reconnaissent, il faut qu'ils occupent de Doudou, ouvre la porte là, c'est dedans qu'il a. Ouvre la porte là-bas, moi. Ouvre la porte là-bas, moi. Ouvre la porte là, pour nous faire ça, fait nous. Ouvre la porte là, fifi. Ouvre la porte là, doudou. Ouvre la porte là.